Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, nous c'est vendredi 19 mars 2024. Bienvenue dans la dernière édition journal Créole Long qui a présenté par Zami ou Jerry Cheristal en collaboration avec VOA Créole. Actualité sous plan national pour PBT, 7 chrétiens vivants rivés faire voile pour pays sans chapeau après un examen entré dans la commune Kafou, vide des balles sous yo et attaqué deux postes en police et libéré plusieurs prisonniers pendant la population attendant pour que l'installation capable faite de 9 membres du conseil présidentiel ça qui va gagner pour capable faire choix de yon premier ministre dans jour qui vient là soit que dimanche 21 avril 2024. Pendant le conseil là lui-même a préparé pour que capable faire installation si là et plusieurs membres en dedans conseil là amis internautes pas presque prêt pour que capable installer dans palais national parce que insécurité a pour eux-mêmes c'est une action qui est vraiment important pour eux de quoi que pour eux pas arriver victime et gagner en dedans conseil ça qui va garder qui en dedans conseil là amis internautes et en pile monde a demandé est-ce que la arriver installer tout bon vrai parce que j'ai situation sécurité allié dans pays d'Haïti avec un exam qui attaqué commune Carrefour et que gagné 7 moun pour petit qui rivé faire voile pour pays sans chapeau et plusieurs prisonniers libérés dans commune nan et surtout dans commissariat Omega. Tout moun a demandé est-ce que la capable libérer tout bon vrai après moun sa yo fin rivé mourir gagné plusieurs autres moun qui rivé blessé en dedans car en dedans commune nan et rivé l'hôpital ensemble avec yo gagné qui grave extrêmement grave et pour qu'on connaît est-ce que effectivement gagné yen nan moun sa yo kap rive échapper kap rive sauver et gagner la vie Jean qui au même yo ta doué gagner santé yo te gagner auparavant gagner militant politique yo bon côté pa yo sous chaîne masse yo tout temps camper en diapason pour que yo capable tande conseil présidentiel ça lui même qui pral installer nan jou kap fini là déjà yo gen préparé pour que yo capable bail conseil présidentiel là 15 jours seulement après installation pour que force multinationale là yo capable faire rentrer dans pays d'Haïti pour capable bail sécurité et sinon selon yo même eh bien il y a metté pied à terre pour capable battre Charles Barry derrière conseil présidentiel ça si toutefois les mêmes li pas capable régler rien et faire force là lui-même entrer dans pays ici là gagné madame mademoiselle et messieurs nèg exam toujours qui débarqué dans presse nationale hier soir yo attaqué yo vandalisé yo pillé et prend tout ça qui gagné qui important dans presse nationale n'a rappelé après plusieurs jours côté publication ça lui-même li fait côté conseil présidentiel là lui-même li possible pour qu'il capable installer dans palais national et bien nèg exam yo débarqué en dedans presse nationale après un paquet monument après un paquet boîte l'état qui eux-mêmes yo crasé yo boulé et surtout ensemble avec palais national qui ont été gagné comme plus grand objectif pour que tu capable non seulement attaquer et river prendre pour soit mettre du feu ou du moins sans pour installer koyo et grâce ensemble avec la police nationale d'Haïti qui permet que jeudi a parlé à lui-même li camper avec moun qui doit rester la donne côté que bandi au dormi dehors et jusqu'à présent rien pour pouvoir faire pour côté bandi yo et bien hier soir les yo attaqué presse nationale yo prend tout ça qui gagnait extrêmement important pour eux-mêmes et par la suite matin ils arrivaient poser la patte sous directeur général là qui c'est Ronald Saint-Jean ils kidnappé là et fait environ 15 minutes nan men bandi yo a poser le question comme quoi que c'est un monde qui était à la justice et rivé saisi portefeuille li saisi l'argent et saisi tout ça qu'elle te gagné et situation était extrêmement compliqué et gagné directeur lui-même qui était même arrivé à crier pour façon qu'il lui-même lui ouais pays à lui-même lié et jeune timoun qui rivait prend pays en otage qui empêchait population fonctionner Jean qui lui-même est arrivé fonctionner et directeur a beaucoup de parler lui-même montrer à clair et bien presse nationale qui représentait
monument pour pays qui trouvait dans telle situation pareille, la demandé est-ce que ça qui côté ça va aller, et ensuite madame monsieur et mandé conseil présidentiel là qui gagnait pour qu'elle capable installer dans jour qui vient qui pour venir là yo la demandé dégager capable fait ça qui sérieux en façon population lui-même li capable aller en sauver que pays lui-même li capable sauver de bandi ça yo qui a pas problème dans pays d'Haïti. Gagné dans pays Kenya, gagné un gros tristesse, gagné 3 jours deuil qui mentionné pour que moun yo capable rete la caillou, rete la caillou non seulement rete et pas fonctionner, l'école pas fonctionner, pas bien travail, pas bien activité à cause de Francisque Omondi lui-même général ça qui c'est chef l'armée pays Kenya qui tombe qui fait un accident dans hélicoptère qui te gagné 9 moun qui te gagné 11 moun là-dedans et 9 là-dedans qui vient faire voile pour payer son chapeau et parmi 9 moun ça yo gagné commandant en chef là et Francis quand Omondi lui-même qui mourit pendant que lui-même il t'a pas superviser une opération qui t'a fait dans une région et région ça amis internautes li relé exactement région Riveron et lui-même c'est une rive nord et c'est une endroit qui gagne en pile chef gang en pile gang comme quoi que c'est à Mariani c'est à Matissan ensemble avec plusieurs autres endroits dans pays d'Haïti et situation li compliqué et bien gagne Francis qui perdit la ville pendant lui-même il t'a pral fait yon inspection avec 10 autres chefs nan rive nord pour comment que ou capable aider population kenyan nan rive nord retirer kol nan mauvaise situation qu'il même lié avec gang qui empêchait population fonctionner libre et libre. De l'autre côté, les amis internautes ont gagné sélection maman jury pour ses anciens président Donald Trump lui-même, li complété et tout à fait normal. Jeudi a exactement Manhattan dans New York, mais gagné président républicain Donald Trump lui-même jeudi a fait le 5e jour devant la justice et bien il va gagner pour qu'il capable jurer et juger normalement chez situation lui-même il y a pour ou ces criminels et déjà m'a rappeler on gagner 12 membres dans jury qui pral mener et qui pral mener gros travail ça et jugement ça qui va commencer lundi cap venir là il pral commencer juger Donald Trump et lui-même qui gain accès avec sa que le réseau social nan moment n'a pas les là gagné Israël beaucoup de parle l'armée Israël a attaqué Iran et sérieusement malgré États-Unis avec tout l'autre pays occidental ou même qui demandé pour pas gagner aucune attaque qui fait et bien dans tout pays l'autre pays et dans même communauté internationale là yo demandé pour que Israël capable garder calme en ligne mais lui-même il pas arrêté non telle logique pareille il était déjà cimenté gain Gaza Iran lui-même l'a attaqué pays ça jusqu'au zoo faut lui-même il est capable et bien fini ensemble avec ni Gaza ensemble avec Iran après Iran te fini attaquer pays Israël et ben Benjamin Netanyahu qui c'est premier ministre israélien lui mandé pour qu'il capable continuer attaquer Iran malgré États-Unis bon côté parlant lui même li ta vle fou bouche dans conseil yo même yo gen un seul objectif c'est craser Iran craser Gaza yo va son capable finir ensemble avec tout le monde qui nan endroit ça yo et surtout ensemble avec Gaza lui même qui déjà prend on la tri moun pour eux-mêmes, pour le pays Israël, depuis le 7 octobre 2023, qui s'est passé. Voilà, amis internautes, nous comptons pour nous déposer pour le journal ça. Restez connectés avec nous. Nous invitons à capable rester ensemble avec VOA Creole pour plus de détails et pour plus d'informations. Et nous, depuis la capitale fédérale américaine en Washington, DC, jeudi à ce vendredi 19 avril 2024, mais principalement 4 domine l'actualité.
Maintenant, quand on regarde la domination, Israël a attaqué l'Iran malgré les États-Unis et l'autre pays, membre communauté internationale, a demandé le garder calme. La sélection membre jury procès ancien président Donald Trump l'a complété vendredi 19 avril là, dans Manhattan, dans New York. Et puis en Haïti, 7 personnes ont été pétées dans une commune tout près de la capitale de Port-au-Prince. Après, les armées ont attaqué deux postes de police côté libérés prisonniers. Dans le moment, le pays a attendu l'installation du conseil présidentiel de transition. Cap bien pour choisir un nouveau premier ministre. Effectivement, nous saluons, nous remercions de vous brancher sur nous. Comme d'habitude, vous avez passé une semaine avec nous. Nous déjà souhaitons vous passer un bon week-end. Nous avons aller dans New York. Côté que sélection jury qui va faire partie pour qui va faire partie procès ou qui va assister procès contre l'ancien président Donald Trump. Et sélection membre du ça yo complété donc tout membre du sous place et nous gagne tout sous place Valérie Saint-Luc qui dit nous déjà Valérie gagne à bon procès qui t'a de commencer lundi qui va venir là pas vrai bonjour tout à fait bonsoir Jean-Robert c'est ça et c'est effectivement jeudi à 5e jour que ancien président Donald Trump a marché dans le tribunal et jeudi à processus joindre 12 membres jury a yo arrivé complété bien que il y a continué avec processus ça puis yo joindre 6 autres membres qui au même temps là en réserve nous dit mais jeudi à yo arrivé boucler processus là donc juge qui lui-même a mené et jugement justement c'est juge Marken qui dit que déjà lundi la paix attend à ce que yo l'ouvrit jugement qui veut dire que ancien président Donald Trump a venu fois ça pour juger devant 12 membres jury ça qui arrivé joindre nous qu'a dit tout c'est pas sans difficulté parce que yo fait plusieurs fois yo essayé c'est toute semaine ça yo t'a cherché yo t'a essayé joindre 12 membres jury ça yo et gennan yo qui était d'abord yo était arrivé sélectionner yo et puis après juste après yo était obligé à l'école et juge lui-même t'a dit que moun ça yo il semble yo pas trop capable continuer dans le processus. Donc, c'est comme ça, c'est pour aujourd'hui. Et déjà, semaine prochaine, et, parce que l'ancien président Donald Trump va venir pour le juger. Mais pendant ce temps, il a quand même fait des déclarations, comme il est habitué à faire. Pendant la rentrée aujourd'hui, dans le tribunal, il fait des déclarations, dit que il n'a pas senti que c'est un bagage qui est trop fait, j'allais dire en anglais, côté que il a empêché de mettre un babouquet sous lui, côté que le pas capable. Puisque nous connaissons, juge lui-même, juge Merchen, a dit que il mettait un babouquet, il même mettait un amende de 3000 dollars sous lui, côté que s'il parlait, s'il montait sur les réseaux sociaux pour parler, soit de jury, soit de monde qui est même à travail dans le cas, il est capable, eh ben, justement, de mettre un amende sous lui. Il dit que ce n'est pas faire, puisque lui-même tout, il a la loi à la bouche, il a parlé, Jean Tavlé. Donc, c'est ça que je l'ai dit comme déclaration. Mais Jean-Aubert, c'est quand même, et puisque nous, là, nous sommes sur place, nous accueillons sur place pour nous suivre le jugement historique, ça, contre l'ancien président américain. Il faut nous dire tout, Jean-Aubert, il y a un incident qui passait pas trop loin. Oui, nous ne parlons pas d'incident, ça, parce qu'en principe, nous considérons les conditions de sécurité. Et si, dans le processus pour seulement choisir, sélectionner, même jury, nous, qui avons une sécurité à élevé, et les poussées ont commencé lui-même. Et qui j'en fait et M. Sa lui-même, lui avait mis du feu sur lui malgré toutes les sécurités qu'il prend. Et ça fait pratiquement tout près du tribunal là. Tout près du tribunal là. À quelques mètres de côté, moi, campé là. Et derrière, dans ce tribunal là, donc, il a sécurisé le périmètre. C'est M. Max Azzarello, c'est qu'on s'est relé. D'ailleurs, quelques minutes de ça, et plusieurs chefs de la police New York là, et NYPD, responsables officiels, ils ont été en conférence sur la presse, ils ont expliqué, ils ont identifié M. Sa, qui est le Max Azzarello, qui mettait du feu sous tête lui. Des images qui sont difficiles pour nous garder, mais c'est ça que lui fait comme peut-être façon pour protester. Il n'y a pas connaissé sa grande relation exactement avec ça qui a passé en dedans tribunal là, parce que c'était dans un moment, justement, côté que juge Merchen lui-même t'a annoncé que il a bouclé processus puis il joigne 12 membres jury et que semaine prochaine, jugement va commencer. Donc, messieurs officiels, messieurs dames officielles, la police a écrit, a décrit l'incident. Il dit que monsieur Max Azzarello marchait sur une place pas trop loin du tribunal là, pendant que le rivet est à proximité du tribunal là, juste en face du tribunal là. Eh bien, il ouvrit un sac. Dans ce sac là, il y a des flyers, des pamphlets que le voyant l'air, il a gagné à terre, et puis il y a allé au bagage, au canette, d'après ça, j'ai décrit là, il vidait le soulier, et apparemment, c'était une solution flammable, qui veut dire qu'il a pris du feu, et puis il lui met du feu, mettait sous soulier, il a enflammé tête. Il va mourir, nous ne va pas dire s'il mourir ou bien s'il... Il est en condition très critique dans ce moment-là, dans l'hôpital Cornell. Il est rapidement mené là, mais il est vivant. Mais vraiment, il a pétrité pour des brûlures au troisième degré. On peut comprendre que c'est quand même un incident qui, justement, on a parlé de sécurité tout à l'heure là, et bien, immédiatement obligé d'évacuer, reconsidérer la sécurité dans le périmètre. Nous, agents
et en secret service nous capable dire agent civil qui a marché te gain hélicoptère qui t'a sillonné dans ciel là et puis sécurité a été recommencé puis serré dans zone tribunal là Jean Robert. Alors et Valérie avant aller on nous dit que c'est Donald Trump quand même donc une grosse couverture médiatique c'est quand même dit international même qui présent dans périmètre et tribunal là. Tout à fait. Et c'est pas trop loin du périmètre tribunal là que justement, sous les yeux des caméras, que M. Max Azzarello a fait action ça que nous sommes décrits là, mettez du feu sous tête lui. Et média yo, c'est yo fait quelqu'un dans la zone là, c'est ça qui fait que sécurité justement, il est très serré, il est resserré le même. Mais au niveau média, c'est tout partout, barricade tout partout, aux alentours du périmètre tribunal là, parce que c'est quand même, Jean-Robert, on peut comprendre, un jugement historique, c'est la première fois qu'il a jugé, et non cas criminel encore, il a jugé un ancien président, et il s'agit justement de Donald Trump, Jean-Robert. Merci un peu, Valérie. Donc, on va sous place, donc nous mettons déjà pour mettre et spectateurs lundi, on va sous place et on va porter les derniers moments de commencement pour ça et qui en sait. Tout à fait. Passez un bon week-end, Valéo. N'a pas été branché sous. N'a pas été dans l'actualité à ce plan international. Nous pas aller en Israël. Nouvelle concernant Israël avec Iran. Eh bien, et l'armée israélienne, ben, lancé quelques coups de mortier sous Iran. Dans une ville, côté que l'installation nucléaire. Iranien, mais médias iraniens ont rapporté, mais autorités prennent des dispositions côté que ils augmentent le système et défensif, justement, pour y contrecarrer attaque Israël à plan. C'est sûr, et déjà fait qu'on ait système ça, l'y mettait à terre ou bien encore l'y détruit au moins 3 drones que Israël a lancé dans le cadre d'attaque, ça a été lancé et sorti dans la nuit de jeudi pour vendredi. Jacqueline Belizer. Malgré mise en garde Washington, Israël menait une attaque calibrée contre Iran jeudi vendredi à réaction modérée Téhéran d'après plusieurs médias, surtout aux États-Unis. Agence nouvelle iranienne dit 3 explosions n'ont pas fait dégâts et tout bagaille semblait en forme. Même gen moun ki fè rassemblement nan jou konje sa nan kote eksplosyon ou te rive. Pendant toute semaine nan, Israël te fè konnen la fè Iran paye pou atak li te fè week-end passé a sou teritwa Etat Hébreu a. Nouveau développement sa pou se analise kwen kapab genyen yon escalade violence nan rejon Moyen-Orient. La Voix de l'Amérique te entré en kontak rapide ak porte-parole l'armée Israël la, lè li te jwenn nouvèl la, men li pat vle fè commentaire nan mouman sa. Ministre Affaires étrangères italien Antonio Tajani, qui a recevoir sommet G7 ministre Affaires étrangères dans Capri en Italie, dit Israël t'est informé États-Unis dans dernière minute. Israël t'est informé États-Unis dans dernier moment avant attaque là, mais États-Unis pas participer là-dedans. Ministre Affaires étrangères italien pas de bail plus détail. Pendant on prend presse toujours dans cadre sommet G7 là dans Capri. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken a refusé de répondre à une question sous explosion en Iran que il a présenté comme un acte représailles Israël. Il a affirmé que les États-Unis pas impliqué dans aucune opération offensive. The United States has not been involved. Moi pas faire commentaire sur événement qui sorti dans média. États-Unis pas participé dans aucune opération offensive. Ça me dit nous c'est que n'a concentré nous sur ça G7 là a concentré n'a pas ça dans déclaration nous dans conversation nous. C'est job nous pour nous désamorcer tension yo. Vraiment vrai gagner une tension qui a monté 17 hauteur depuis attaque Iran sur Israël semaine passée et communauté internationale là gagne la pérèse pour violence là pas escalader dans région Moyen-Orient. Et c'est comme ça que communauté internationale a lancé un appel pour demander belligérants mettre de l'eau dans du vin yo après offensive qui semblait attaque représailles Israël contre Iran, dans une ambiance qui déjà surchauffé dans la région Moyen-Orient depuis la guerre Israël-Hamas là, qui l'a depuis 6 mois et qui déjà fait plus passer 34 000 morts dans Gaza, d'après le dernier rapport ministère Santé palestinien que Hamas a dirigé. Cependant, il y a un spécialiste qui fait comprendre que deux parties mesuré attaque. Offensive Iran, par exemple, semaine dernière, te visé yon plateforme, yon base aérienne qui l'a pour lancer missile, pendant que Israël lui-même fait attention pour ne pas toucher position nucléaire important Iran yo dans yon base militaire dans Kajavaristan dans province Isfahan. Là aussi bon côté pas demander pays dans zone pour rester loin conflit Israël Hamas Iran pour éviter vraiment vrai que violence pas escalader dans région Moyen-Orient. Jacqueline Belizer, VOA Creole. Merci Jacques Belizer, n'a pas retourné ici aux États-Unis, nous parlons dans New York. Côté États-Unis, veto une demande et autorité palestinienne a été fait pour devenir membre
permanent organisation internationale là. Nous allons demander à Alice Pierre pour plus de détails. The result of the vote is as follows. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the council. D'après opinion États-Unis, chemin qui est rapide dans direction pour Palestine d'avoir une yon état, c'est à travers négociation directe entre Israël et autorité palestinienne, avec support États-Unis et Claude Patneo, d'après ambassadeur adjoint Nations Unies Robert Wood. L'été exprimait tout inquiétude li concernant question qui pas qu'on résoudre pour connaître si oui ou non Palestiniens ou satisfait critères qui nécessaire pour y être considéré comme yon état. The United States continues to strongly support a two-state solution. Nous demandons autorités palestiniennes depuis longtemps pour entreprendre réformes qui nécessaire pour aider établir sa oude gagner dans préparation pour yon vintounen yon état et puis songer que Hamas, yon organisation terroriste, connue à exercer pouvoir la influence dans Gaza, yon partie intégrale dans état que yon envisagé dans résolution ça. 12 parmi 15 membres conseil là, t'es voté en faveur l'idée alors que Grande-Bretagne et la Suisse t'es abstenu. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Nous parlons dans le pays d'Haïti, côté Negame, mené deux opérations dans deux commissariats dans un quartier ou une ville qui est tout près capitale à Port-au-Prince. Mathieu Deville, pour plus de détails. Sept personnes mouri et plusieurs autres sont blessés dans une attaque groupe civil armé fait dans la commune Kafou, localité Rouané 93, hier jeudi 18 avril 2024. Là. Dans même journée, bandi yo rentré dans commissariat commune, yo relé tout Omega, yo pillé et puis libéré quelques détenus qui étaient fermés dans gardavi commissariat ça. Simdoué quoi déclaration porte-parole syndicat national policier haïtien yo Lionel Lazare. Nouvelle yo fait connaître ces groupes civils armés qui gen en tête li Chris là, même vivent ensemble qui commettent zaksi là. Et pour jeudi vendredi, activité ont fonctionné timidement. Pas de aucune école qui l'ouvri dans commune là. Banque et commerce rete ak porte fermé. Moun pa remarqué tout présence la police dans l'arrière à tout. Et pour ça qui vient pour être mise en place conseil présidentiel transition, quelques citoyens dit yo pa wè intérêt dans des marchés là. Pas de conseil qu'a vrai blanc rien là, rien. Tout monde se tête yo y a défendre. Moi même conseil sept têtes ça son problème. Parce que monde qu'il y a monde ça, on contrôle. Conseil là pral gagner. Même qui dit qu'il y a une installation conseil, il y a une position contraire sous directeur l'État supposé prendre pour commencer un changement dans la société. Nous, les militaires de Chelmasio, nous avons fait le travail. Depuis le conseil, ça a fini d'installer. Nous avons fait 15 jours. 15 jours pour essayer de faire le conseil international l'entrée. Si nous avons fait le conseil international l'entrée, nous avons fait le conseil. Nous, les militaires conséquents, nous allons nous faire frapper les pieds à terre. Même bataille, nous devons faire. Nous allons tourner les batailles encore parce que nous connaissons qui ça l'extérieur de notre pays. Pendant, responsable Front National Organisation pour yon Haïti qui est stable et démocratique, FONOD, ak comité interne 100% diaspora Haïti di ap continuer camper loin conseil présidentiel transition responsable strict ici là yo annoncé des journées manifestation contre installation membre conseil là ça nous même nous connait ça cap bon pour nous et ça cap bon pour nous di ba l'autre c'est qui filou mardi 23 mercredi 24 avril nan kokèn chaîne mobilisation pour continuer di non à projet Kaiko pour di non à conseil Kaiko là pour di conseil Kaiko créé li pas bienvenu et li pas bienvenu parce qu'il pas gain légitimité li pas gain rien de légalité et li pas gain rien comme représentativité. Toutefois, nous constatons un combat de nettoyage voirie mairie Port-au-Prince tamé depuis hier jeudi 18 avril là dans périmètre palais national alors que coup de balle continue chanter dans zone là. Yon militant politique sorti blessé après le recevoir yon balle perdu sous champ de masse là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Mathieu Deville pour VOA Créole. Toujours dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, yon rencontre déroulé entre représentants conseil présidentiel de transition avec gouvernement intérimaire justement pour planifier dans ça qui semblait installation et conseil présidentiel là, nous pourrons joindre pour question ça Yves Manuel pour plus de détails. Même conseil présidentiel transition organisé jeudi 18 avril 2024 là dans villa d'accueil première réunion travail en présence premier ministre haïtien Michel Patrick Boisvert à directeur général police nationale d'Haïtien France LB dans mitan discussion yo restauration sécurité nationale là à planification installation même conseiller présidentiel yo un conseiller présidentiel qui t'a participé dans rencontre là souligné les important pour rétablir sécurité notamment pour même conseil et pour assurer un environnement calme pendant prise fonction yo dans palais national
pendant que en quelle date pour qu'on fixe pour installation, il y a un représentant dans le conseil présidentiel là qui fait qu'on est ça t'abri concrétisé des semaines prochaines. Il y a une rencontre entre commission passation pouvoir gouvernement et même conseil présidentiel là prévoit dans l'idée pour préparer transition et évaluer situation sécurité pays. Police nationale d'Haïti à travers directeur général là bail garantie toute disposition pour le prendre pour capable faciliter bon déroulement événement. Rencontre ça qui marquait également première interaction officielle entre Premier ministre haïtien Michel Patrick Boisvert et directeur général police nationale d'Haïtien déroulé dans une atmosphère cordialité selon déclaration yon conseiller présidentiel. Haïti a fait face à une crise profonde depuis plus passé un mois avec un capital qui quasiment isolé, l'école fermée, commissariat incendié et l'hôpital qui dysfonctionnel. Dans contexte ça, urgence pour trouver solution à problème ça yo, c'est une obligation. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Communauté haïtienne en Miami avec dans Fort Lauderdale divisé sous conseil de transition ça. Nous va jeune Luxon Saint-Ville pour plus de détails. Majorité moun nous parler à qui montrer pas trop importance à conseil présidentiel transition. En pile là-dedans yo penché sous Guy Philippe ancien sénateur élu grand dans cela, yo estimé qu'il gagnait plus capacité pour répondre à défi Haïti a fait face là spécialement dans le domaine insécurité. Yo dernière catégorie d'ici pays a tavlé plus proche constitution hein. Yo t'a préféré plutôt choix cour cassation. Moi même capable dit bien dans sans hypocrite par là-dedans. M'pa besoin konnen Jean JPP Jean sorti même Jean sorti moi même yo mettre coupe tête mon côté m'a parlé à moi même quoi dans Guy Philippe seul conseil CARICOM sous côté et puis Guy Philippe pour nous pousser pour arriver vers l'avant parce que s'il prêt pour le bataille pour payer l'idou la mort la vie yo mettre tuer c'est pour payer les vini l'a défendre en bagaille ça c'est sans manque. Sans Guy Philippe, pas Haïti, non? Quand l'on a dit ça qui m'a arrêté ensemble, non? Si j'étais compris, ça y a fait, j'étais pensé avec la famille demain, j'étais pensé à la tête, avec madame, yo, petite, yo, et pas de jamais aller. Dans la condition ça. Le ramasse, c'est tout le monde groupe avec ça. Tu restes qui était à vine pour hein? C'est ça, Guy Philippe, pour moi-même. Je ne sais pas pour l'autre monde. Qui était à mettre nous sur un rail, mais je ne sais pas personne encore. Ça, comment ça, c'est Guy Philippe? Parce que moi, Guy Philippe, j'ai une conviction. Son monde qui voulait voler pays qui voulait mener pays mon côté problème gain à conseil là parce que il pas révélé il pas reflété et maman loi pays nous parce que dans maman loi pays nous mais que ce soit constitution amendée ou pas il pas prévoit à ce que nous gagnions 9 monde mais koulia s'il t'est sorti non, cassation, ça peut être, il a reflété quelque chose parce que cassation, elle fait partie de pouvoir nous, de quatre pouvoirs. Même si opinion est différente, haïtien ça a demandé pour tout acteur politique qui mette tête ensemble, dans l'idée pour capable joindre une solution qui permet à Haïti sortir dans situation difficile, les trouver le jour et jeudi. Depuis Miami, l'État Floride, Luxon Saint-Ville, pour VOA Créole. Et puis toujours en Haïti, une coalition syndicat transport en commun, les forces syndicales pour sauver Haïti, et bien demandé pour au moins suggérer pour chaque en conseil là ta contrôler un ministère dans pays là, nous pas jeune suggestion ça ou dans tout simple pour plus de détails. Dans moment même conseil présidentiel yo commencé chita parler à équipe gouvernementale démissionné Ariel Henry avec DG PNH France LB sous question qui gain rapport à rétablissement sécurité qui doit aboutir à installation collège présidentiel là yon dirigeant organisation syndicale Jacques Anderson Deroche qui se porte-parole force syndicale pour sauver Haïti Fossa exhorter nouvelle équipe ça pour kembe yon portefeuille ministériel qui permettre yo aborder puis bien problèmes sociopolitiques et économiques yo dans le pays d'Haïti. Ça fondamental, c'est que si monsieur ça arrive dans le conseil là, il va avoir une responsabilité que contrôler les décisions qu'a prendre avec le gouvernement, avec le premier ministre, mais yo pas le passif. Je dis à fond responsabiliser plus qu'avant.
Si nèg la arrive même conseil là, il faut pas faire ministériel. Donc au moins la bonne job pour le faire. La bonne job plus pour le faire. Attends, la bonne juste pour la sécurité, si le ministre elle va pas résoudre la colle, c'est lui qui critique la soudole. Si le ministre planification elle va pas résoudre lui-même. Le ministre justice elle va pas résoudre c'est lui-même. Mais je dis à le conseil là pas choisi de ministre. Ça le conseil là pas un petit monde. J'ai la constitution du président mineur. Conseil après ta distance, l'aigle au chef qui a changé le monde. Je dis à son occasion, un an pays à jeune. Tout acteur par la vie, je me mettais ensemble, décide de être dans seul double. Jacques Anderson de Roche, quoi, c'est une opportunité en or, pays d'Haïti gagné, à conseil présidentiel transition. Ça le débrouille sur tout échec la patate, partagé. Échec la partagé. Mais si on réussit, il y a une classe politique qui a réussi. Je dis à Horizon Divin, bien. Qui nous dit Montana, ou dit Petit Dessaline, ou dit Famille Lavalas, ou dit Accord 21 décembre, ou dit Société Civile, ou dit Secteur Privé. Ça veut dire pays, mais tout compartiment, là, ça a fait là. Donc, mais là, nous, à la Cour de cassation, oui, il y a une solution, oui, et certainement, on dit qu'on se rapproche de la Constitution, mais nous, la Constitution, pas bien longtemps, rapproche de la Constitution. Mais là, c'est la solution participative. Par contre, c'est clair, c'est une solution participative, tout le monde met la même. C'est un dossier à suivre. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Qui rôle électeur américain ou citoyen américain qui vivent dans le territoire d'outre-mer États-Unis dans l'élection présidentielle ou l'élection générale? Nous parlons de Sandra Lemaire qui a apporté plus d'explications pour nous. Territoire américain tant que Samoa, Guam, Îles Vierges avec Porto Rico pas capable voter dans élection présidentielle États-Unis dans mois de novembre non. Cependant, yo capable voter dans élection primaire à caucus yo pendant processus nomination candidat yo. So if you live in a US territory such as Puerto Rico, li dit donc si vous habitez dans un territoire américain tant que Porto Rico pour élection générale là dans mois de novembre là ou capable voter pour un monde qui pral un membre congrès qui pas gain droit voter c'est même bagaille nous gagner dans district Colombie il y aurait les monde ça délégué donc yo ka gain siège dans commission yo ka participer dans débat mais yo pas gain une voix en ce qui concerne adoption loi États-Unis. Journaliste Associated Press Stephen Olmacher dit tandis que citoyens qui habitaient dans le territoire Sayo pas qu'à voter dans l'élection présidentielle, candidat Sayo a plusieurs raisons qui fait qu'ils veulent appuyer Moun Sayo. Well, the parties want to be popular in the territories in large part because if you are a resident of a US territory you can move to the United States. Il dit mais parti au terrain populaire dans territoire ça en large partie parce que si vous êtes un résident dans territoire américain ou cal vivre aux États-Unis ou pas besoin passeport ou pas besoin visa ou c'est un citoyen américain et là où elle vivre aux États-Unis ou qu'à voter. Donc si vous voulez populaire Porto Rico c'est parce que il y a un pile monde Porto Rico qui habite aux États-Unis qui pourra voter dans l'élection novembre. Non. Donc, parti vous voulez assurer, il y a une connexion avec les gens qui habitent sous territoire. Il y a des parents qui vivent aux États-Unis et il y a même tout, il y a qui vivent aux États-Unis. Sandra Lemaire, VOA, Creole, Washington. Nouvelle soirée d'Ethio, dans Washington avec Sergio Rodriguez et puis dans Floride, Judo Anseré. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'actualité culturelle semaine ça. Sur VOA Creole, côté nous allons parler de Shakira qui prend le temps de faire une tournée mondiale qui a commencé aux États-Unis dans fin année ça, en bas titre Las Mujeres No Lloran. Et puis nous allons parler tout de Taylor Swift qui lance un nouveau album jeudi vendredi, même en bas titre Tortured Poet Department. Superstar d'origine colombienne, Shakira a annoncé qu'il prend le temps de faire une nouvelle tournée mondiale en 20 ans. Pendant une apparition sans attendre, il fait un festival musique Coachella dans la ville Indio et à Californie, ça n'a pas gagné longtemps. Super vedette musique 47 ans, t'es débarqué tout d'un coup dans le festival là pendant DJ Argentin Bizarre Rap. T'as évolué sous scène Sahara à côté où tous les deux t'es exécuté nouveau titioa en parlant de la fuerte. Tournée mondiale Las Mujeres Diano Joran Shakira pour attendre ici aux États-Unis dans fin année 2024 ça. Nouvelle souveraine de tout apprendre que superstar musique américaine Taylor Swift by Fanatic Lio yon gros aucune surprise dans la première heure jeudi vendredi 19 avril là, à publication un nouveau CD qui porte le titre de Tortured Poets Department. D'après sa superstar l'a dit sous question album, Nangin Adani chanté qui a un rapport avec chagrin d'amour pendant une époque qui était représentée une période triste dans la ville. C'est 11e album studio li qui a 16 morceaux sur lui et que l'idée de la guerre sous béton à minuit sonnant jeudi vendredi.
Mais seulement quelques temps après, il dit qu'il y a un deuxième album qui gagne 15 titres là-dedans lui-même. Taylor Swift écrit sur compte Instagram lui, moi tellement composé musique dans deux ans passés que je voulais partager avec nous. L'album Poetland est venu 18 mois après publication Midnight. Superstar a publié tout, il y a une vidéo pour le premier single lui sur le nouveau album. Côté lui fait une collaboration ou bien un featuring avec Post Malone. En parlant de morceau Fortnite là, en tout cas, c'est comme ça que Taylor Swift l'a dit parole là dans l'aria, même jeudi vendredi. Taylor Swift a fait parler de lui pendant un certain temps, parce que lui porte gros succès dans divers genres musicaux aux États-Unis, un bagage qui permet de libérer l'économie locale, une belle bourrade. Nous devons préciser que Time Magazine désire Manzé comme personne de l'année pour l'année 2023, à cause d'accomplissement lié dans l'industrie musicale, à influence les gains dans la culture populaire aux États-Unis, mettez avec des marches pour encourager moins inscrits pour y aller voter. Et qu'on a un moment arrivé pour nous passer comme n'embaille, juste de conseil qui va le battre nos nouvelles sur Echemaïla, dans Miami. Musicien groupe musical New Doré te baille une conférence pour la presse vendredi passé dans Pompano Beach, État Floride, pour annoncer premier album yo qui porte nom Perfection. Nous t'ai parlé avec chanteur jazz là, Vladimir Miriska, alias Vladenjoy, qui a expliqué origine non jazz là et nouveau sidia. Nous Doré, c'est deux premières notes musique qui c'est Do, Ré. Lors dit nous Doré, qui veut dire que nous, c'est deux premières notes musique. So, c'est ça que définition nous Doré, en gros. L'album n'a que sept musiques, parce que c'est ça que fait l'album dans les perfections. Le chiffre 7, c'est la perfection. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Edras Edouard, alias Drasso, qui c'est ancien maestro disciple de Gazman Couleur, ancien bassiste Zinglin, ancien musicien du groupe Équipe de Chaba, annoncé dans micro VO à Créole que lui décidé pour lui retirer l'école dans business musique haïtienne. Pas je compare, il me connaît son antigen du, mais son choix que me fait pour ne pas afficher marocain jazz. Ok, je ne vais pas afficher marocain jazz, sans pour autant. Je suis toujours porté à port, moi, mais retenons jazz pour me dire bon, c'est maestro tel jazz ou bien c'est bassiste tel jazz. Non. J'ai un album pour le sortir, c'est un album évangélique pour me remercier Dieu pour la vie que l'album. C'est le premier album moi, évangélique. Pour toute nouvelle sur musique haïtienne dans l'État Floride, non pas, c'est Jude Onseré pour VOA Créole, Miami. Merci infiniment. Merci pour Doua ça avec Sergio Rodriguez et dans Washington et puis Jude Onseré lui-même dans Miami dans l'État Floride qui t'a parlé nous de activités. Activité. Peut-être pas bien jeudi, c'est vendredi, c'est week-end. Donc comme ça l'a dit. Donc soit conduire qu'on ne pas qu'à consommer alcool et si on consomme alcool qu'on ne pas qu'à conduire parce que nous besoin qu'on avec nous encore et semaine prochaine. Donc, je remercie tout le monde qui a porté contribution par eux, d'une façon ou l'autre, de loin ou de près, à réussite. Ce maintenant, d'abord, et puis à l'émission jeudi, que nous présentons. Collègue Jacques Bélizer, lui-même, il est pour la Cali. Côté nous saluer tout, parce que nous avons souhaité le bon week-end. Il y a tout gentil qui est 5 kilos de bois, notre bois là. Donc, c'est monsieur qui a aidé nous mettre l'émission ça dans l'air. Et puis, il y a Jean-Marc Abila, qui lui-même a dans la cuisine, on a chauffé du feu là pour bah, la vie de nous. Jacques et Jeune, on salue tout le monde, nous souhaitons passer un bon week-end. Et si je dis assez fait tout, nous souhaitons bonne fête. Pas oublier, rendez-vous toujours pour semaine prochaine, dans la même station ça. Et nous saluons tout affilié qui permet de rejoindre l'émission ça, Vin la Caillou, quel que soit côté. Et puis, pas oublier, visiter site nous, tout site nous, toute plateforme nous. Moi, c'est Jean-Bert Philippe. Fonti dans ces cunias.